la police là engagée dans la bataille avec assassins yo n'a pourchassé yo pour que soit dans l'échange le jeune sort dans l'échange de tir yo tombé ou bien soit nous appréhender. Poursuite la continuer. La police a déterminé pour le fait travail de protection et de service que le gain pour la population hein, et nous déployer pour que l'ordre régne dans la ville, quelle que soit la tentative qui est faite pour mettre des ordres, la police est toujours là pour redresser la balance et continuer le travail pour faire régner la paix malgré la situation difficile que nous avons vécue. Merci. Dans le MOG, dans la capitale, la première dame est hors de danger. La soignée en Floride. Et information nous gagne, situation stable. Depuis l'assassinat du président, nous avons déjà réalisé ici là dans la résidence privée du Premier ministre, un conseil des ministres à l'extraordinaire. D'abord, un CSPN. Ensuite, au Conseil des ministres, côté ensemble, nous prenons décision pour nous décréter état de siège en pays. Après le Conseil des ministres, nous faisons une adresse à la nation pour nous faire un appel au calme. Nous content que la population ait tendu nous. Parce que je dis à nous comprendre que tout le monde se choque. Tout le monde, quelle que soit tendance politique, quelle que soit idéologie politique, tout le monde dans le pays est sous choc. Parce que tout simplement, on ne peut pas attendre. Nous pas espérer, personne pas anticiper acte barbare ça qui commet sous président Jovenel Moïse. Moi rencontré jeudi à Kogoubla. C'était ensemble nous avons analysé la situation et solliciter solidarité communauté internationale là parce que le pays a fait face à une réalité du moins à vivre un moment difficile. Donc nous remercions les membres du groupe qui ont même très réceptif à appel nous et à demande de solidarité que yo offri effectivement à Haïti. Moi j'ai eu un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain qui a duré plus de 30 minutes. Dans la conférence pays États-Unis offrit nous encore une fois support. Yo. Nous parler de élection, nous parler de sécurité, nous parler de accord politique. Durant la journée, j'ai eu une chance également de parler avec des acteurs dans l'opposition, dans différentes branches dans l'opposition. Pour me dire que nous mettons ensemble pour nous condamner assassinat
au Dieu ça pour nous condamner ce qui passé président Jovenel Moïse. Et fort heureusement, on était en pile secteur dans l'opposition, on était condamné action barbare ça. Peuple haïtien, je dis à moi connais que chaque grain de monde qui a regardé là, il est sous choc après la mort, après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Encore une fois, on va lancer un appel au calme. Situation sous contrôle. Conseil ministre qui réalisé matin et durant toute semaine, il y a une permanence pour nous quimber pays. Situation sécuritaire là sous contrôle. Je fais un appel avec membres opposition différents secteurs. M'a dit yo même Jean président Jovenel Moïse était toujours au rubal. C'est comme ça je dis à nous-mêmes qui bien commande pays a nous dit yo en nous avancer ensemble. En nous définitivement venons issus de la crise qui déjà duré trop que la population c'est lui qui a payé les conséquences. Pour ça qui vient à ouais avec mercenaires, la police nationale d'Haïti, la MEA déjà encerclée au côté de l'OIA. Nous avons une bonne nouvelle. Parce que j'aime te dire matin, acte barbare ça n'est pas prêté impuni. Je vais quitter nous, passer connant à DG PNH là, lui-même qui va nous donner plus d'explications sur comment nous a procédé pour nous permettre à la population de connaître qui moun qui commet acte ça. Côté yoye, côté yo sorti. Merci à vous. Merci beaucoup, PM. Et Jean-PM Nadil, selon instruction que tu recevoir depuis hier, la police, là, dans le même lieu d'opération, a continué à pourchasser les mercenaires. Dans la route pour évader, pour courir, pour quitter la zone. Pour quitter la scène de crime, nous bloquons, et depuis hier soir, nous avons battu avec eux. Une quantité qui était réfugiée au niveau de la boule, pèlerin, nous avons engagé la bataille avec eux. Il y a quatre là-dedans qui sont tombés. Il y a deux là-dedans qui ont intercepté, qui sous contrôle nous. Et il y a trois policiers qui ont pris en otage, qui ont récupéré. Dans la minute que je parle avec nous là, on nous saluer tout le monde. Je vous rappelle que dans toutes mes mesures qui prend pour journée, dans toutes mesures qui prennent pour journée, hein, PM a souhaité rappeler que nous avons une situation assez spéciale, côté un président en fonction qui est élu et qui est en pleine fonction, il y a un bon mercenaire qui sorti à l'étranger et il est rentré la CAILI, il est exécuté. Donc dans l'intervalle là, il y a un peu de mesures que le Premier ministre a souhaité annoncer. Mais dans toutes mesures, nous rappelons que il y a un état de siège qui prend matin. État de siège là les mêmes qui s'allient sont mesures que le gouvernement prend qui
prend par rapport à une situation de gros danger, de gros péril. Alors, en dans gros danger, ça a, justement, on gagne une caractéristique, c'est qu'on est capable de gagner des corps étrangers qui rentrent sous propre territoire par eux, et c'est dans le contexte où on prend état de siège et qui menace la souveraineté pays, qui menace la sécurité pays. C'est exactement la situation ça nous vient là. Ça veut dire que ou gagne, je dis, un chiffre X de gros net qui gagne gros âme et monsieur débarqué son territoire qui pas pour yo, yo pas haïtien. C'est vrai que il y a des haïtiens avec yo d'après ça que et premier ministre Sodino et qui rapporté par chef police là et police cap goumen sous place. Mais rappelez-nous que c'est quand même ça n'a qu'à aller des étrangers qui parlent anglais, qui parlent espagnol, qui rentrent dans un président élu en dans la Kaeli, il pas gain rien te fait pour te mériter sort ça que au Bali. Donc en ce sens, nous rappelons que un état de siège il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a là-dedans un aspect c'est il y a un couvre-feu là-dedans. C'est surtout l'âme des gens qui va avec nous que couvre-feu a, il y a un côté tout qu'il y a la presse, hein, par exemple et côté la presse c'est et ouais, nous réunis entre nous, il y a des bagailles que li pas ka di, mais nous-mêmes nous pas voulons employer mot contrôle de la presse là parce que c'est exactement ça l'état de siège là et pour qui ça pour éviter confusion. Mais qui ça capable arriver justement c'est que ou gagne toute journée côté bon ban assaillant k'ap goum avant et puis subitement ou gagne des médias qui dit tel bagaille et puis justement ça permet à assaillant ça osé qui sauver ou qui te territoire. Et c'est ça qui bizarre dans communication et c'est ça qui fait communication gagne ça relé en éthique avec une déontologie. Et donc on état de siège justement li rentrer sous territoire éthique à déontologie ça li mettons veto. Au niveau du gouvernement, c'est pas intentionnel pour mettre veto, mais là nous envoie vraiment à morale et à déontologie métier, hein, comme moi-même ces formations partout, pour nous connaître que gagner de l'information qu'a véhiculé notamment sur les réseaux sociaux qui pape en faveur ça qu'a fait là. Parce que la police actuellement, on en a parlé là, la opéré jouk li jou jusqu'à ce que nous joignent tout le monde, quel que soit côté ou étranger, parce que c'est sous territoire étranger, ou sous territoire haïtien, qui pas territoire par eux, vin ni emmerder un président qui est élu. Donc c'est logique qu'il y a le chercher au prend côté OEA et que il baille explication à la justice. Donc c'est en ce sens qui est important pour m'attirer attention nous que ça qui est important pour nous entre nous c'est peut-être moins la presse parce que nous référer nous à d'abord à pouvoir la presse que nous faisons plus confiance qui est de nous d'ailleurs depuis matin là nous la presse joue un gros rôle mais nous faisons confiance toi à déontologie métier hein, pour nous connaître en deux états de siège là. Il n'est pas un bagage imposé pour nous-mêmes, mais il était important que nous tenions compte de l'éthique métier pour que nous ayons des informations qui ont véhiculé, notamment sur les réseaux sociaux, pour éviter. Mais couvre-feu, rappelez-nous que nous avons couvre-feu. C'est une caractéristique de l'état de siège. Couvre-feu, ça veut dire que, par exemple, à Soyala, la police a opéré. Donc, une série de monde, à part que ces journalistes qui ont un badge sous, clairement identifié, pas aucun problème, c'est dans le cadre de travail ou à faire. Ou ces médecins, une série de métiers, une série de monde qui te gagne des jobs, ils peuvent le faire, vous n'avez identifié, vous croyez que la police est capable d'entrer dans elle, mais une série de l'autre monde, c'est la caille, ou pas aucun intérêt pour circuler dans la rue, parce que c'est état de siège et c'est couvre-feu. Il y a une caractéristique de l'état de siège là, qui c'est l'armée qui remplace automatiquement le rôle de la police. Nous parlons. Là, je dis, un état de siège ou rien, sont côté un état de siège, côté de cohabitation, l'armée et la police. Et donc, il est extrêmement important pour nous noter que l'armée travaille avec la police dans le cadre de décision ça qui prend pour sécuriser le territoire parce que moun qui tue le président rêve lui c'est créer chaos tandis que le rôle du gouvernement lui-même c'est assurer continuité de l'état et donc la continuité de l'état n'est pas liée à chaos il lié à un principe de suivi côté souverain des pays hein, qui menaçait par les mercenaires de continuer à fonctionner et en même temps que les mercenaires ils rendent les choses à la justice. Donc je crois que c'est peut-être ça pour nous noter pour nous ou importance et c'est ça qui d'ailleurs a duré 15 jours et c'est paradoxal, son pays difficile Haïti à part que nous l'état de siège pas oublié nous avons tout une situation de COVID-19 faut ne pas jamais oublier ça parce que nous toujours rappeler nous ça. Je veux dire, même si nous avons un masque, mais masque là, il faut nous toujours continuer à protéger tête.
et n'a profité occasion comme c'est la première fois me parler à part toute intervention PM n'a fait pour nous présenter pays en nation sympathie et à famille président qui victime et dans quatre travail li pour tout effort de faire pour démocratie et pour construire un pays il mourit pour à peu près tant qu'un héros que le terrain.